Allez chiches, on démarre à l'heure. Salut à tous. Ouais, J'ai toujours cette histoire de background du chat. Je vous montrerai tout de suite une... Pas une issue, mais une discussion sur la communauté Stream Elements. Il y a quelqu'un qui demande exactement ça, donc on peut, on peut supposer qu'un jour ça va arriver. Si, 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 c'est possible. Alors je sais pas s'il va neiger demain mais euh, ici sur la région lyonnaise on a une neige formidable qui est une euh, neige de pollution, c'est formidable, c'est vraiment euh, des espèces de particules toutes fines qui avec le froid euh, finissent par, euh, par faire une forme de neige. C'est vraiment super, tout le sud de Lyon il y en a de partout. Ouais, Burk, Burk, Burk. Bon, j'espère que vous vous allez bien. Comme vous l'entendez, il me reste encore un bon reste de rhume. J'espère pas trop tousser non plus. Donc je le répète. Soyez sage et prudent. Vous voyez, j'avais fait il y a 15 jours euh, le premier calme de l'année, et paf, le lendemain, c'est le Covid qui m'avait attrapé. Il m'a foutu dans un lit pendant 4 jours et euh, j'ai mis 10 jours à commencer à récupérer. Donc là, c'est pas la super forme, mais ça va mieux. Donc soyez bien sage. Oula, mais c'est que c'est que nous avons du monde aujourd'hui. Alors bonjour, bonjour Kiosk Goose. Bonjour MiFleur. Bonjour, euh, bonjour Madame Strali. Salut Monsieur le Grand. Ouais, mais là, là, c'est super crooner du nez, quand même, si t'écoutes bien, il n'y a pas que Crooner là. Je veux bien avoir une voix de Crooner, mais là... Euh... Non, ça un c'est un comme ça quand même. Hein. Ouais. Ouais, <laughs> euh, là, je pense que c'est le moment. Alors, j'ai été stoppé en, en plein élan, justement, par le Covid. J'avais commencé à faire une bêtise que je mettrais. D'ailleurs, on va commencer par ça. Pec que je mettrai sur le, le Discord de l'émission et sûrement sur euh, les productions de moi aussi sur le Discord. J'ai une petite musique euh, dans une ambiance euh, avec ma voix comme ça. Donc il faut que j'essaie de vous finir ça. Ah tu sais tes blagues, je sais pas mais ça, ouais. Il y avait pas mal d'enfants dans les collèges qui devaient les faire ces blagues là non. Bon. On va essayer de ne pas trop déborder, parce qu'après, il faut que j'ai le temps de me poser deux minutes avant d'enchaîner sur le boulot. On va commencer, hop, de suite et de suite. Donc, ce que je vous disais de tout à l'heure, même si là, bon, peut-être pas super lire, mais ce n'est pas, pas très grave. <laughs> bon, ça date d'il y a dix mois, mais c'est exactement le problème que j'ai, c'est quand je mets le chat. C'est-à-dire, si je le mets là, vous voyez, on voit le chat. Donc j'ai encore pas réglé les polices de caractères mais c'est encore à peu près lisible. Le problème c'est que quand il n'y a pas d'activité au bout d'un moment, au lieu de passer en... Alors le... les messages partent en fade out, ils disparaissent. Mais le background reste, c'est toujours le même souci. Donc je vais pas retourner à Streamlabs, c'est toujours pareil moi. Les... les gens qui ont ce comportement-là avec l'open source, c'est plus possible, donc je vais trouver une solution. Donc là, il y en a qui demandent que ça soit intégré euh, dans Stream Elements. Donc on verra si ça y va. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 deux, trois, deux, trois astuces des gens qui, euh, qui utilisent quelques bouts de JavaScript et un peu de CSS pour, pour jouer avec ça. Donc je vous dirai ce qu'il en est. C'est pas la priorité, mais c'est quand même un peu chiant de ne pas pouvoir maîtriser ce qui se passe au niveau du chat. Euh, je, salut Salut Monsieur Ponsai. Euh, j'avais commencé l'année en disant qu'il y allait y avoir quelques projets. Donc des nouvelles du premier qui a à peine eu le temps d'être commencé puisque le Covid a un peu tout stoppé, mais j'ai quand même eu le temps de faire 2-3 bricoles. Euh, je vais quand même vous montrer un petit peu où ça en est. Donc vous pouvez les jeter un œil. Hein. Il n'y a pas énormément de, de, de choses. C'était pas super complexe, mais j'ai quand même... Euh, j'ai quand même implémenté un petit peu. J'avais commencé. Alors qu'est-ce qui me reste là-dedans là alors, tac, je gère. Hop, je vais zoomer un peu. Temporairement, je vais désactiver deux secondes le chat. Donc, ça, c'était un peu. Je m'étais fait des choses toutes simples hein, pour, pour se guider et s'obliger à avancer. Moi, le, le défaut que j'ai, je sais pas vous, mais d'abord, c'est que je ne sais pas toujours dans quelle direction je vais partir quand c'est un petit side project comme ça. Mais après, j'ai tendance à vouloir en faire trop d'un coup et du coup, je ne jamais rien, ça avance jamais. Donc, là, j'avais fait vraiment des issues euh, toutes petites. Euh, j'ai utilisé euh, le fait de pouvoir créer, depuis une je crée euh, la merge request qui correspond, et depuis la, merde euh, la merge request, je balance Gitpod qui va utiliser une branche qui correspond à la merge request. Et comme ça, je peux, je peux avancer relativement vite. Donc euh, j'avais euh, tout bêtement commencé par euh, afficher, donc, euh, voir en go ce que ça donnait, et afficher mon, mon petit Dino. <laughs> Après, euh, j'ai fait de la lecture de fichiers. Et, euh, et je l'ai affiché, je vous montrerai un petit peu le détail tout de suite dans la foulée, en sachant que euh, j'ai pas fini de tester cet aspect là, je vais me rajouter sur mon issue pour aller plus loin, mais en théorie on pourra passer, je vais rajouter un paramètre, on pourra passer un, un fichier avec le le dino entre guillemets qu'on voudra utiliser. Moi j'en ai embarqué, j'ai utilisé la capacité euh, quand on build avec Go on peut embarquer des fichiers à l'intérieur, donc là j'ai pas encore fait de release. Ça fait partie des issues qui restent. Je vais vous montrer ça. J'ai rajouté un paramètre pour passer un message, bien évidemment. C'était le but. On choisit de mettre un message ou pas. Et euh, j'ai un mode que j'appelle interactif, où il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais qui était intéressant pour creuser les librairies en go d'interface euh, terminale, comme, euh, comme Rich. J'aurais préféré dans l'absolu le faire avec euh, Python, et j'adore la librairie Rich et Textual. Mais j'avais dit que c'était aussi pour me... Me mettre dans des projets un peu concrets avec Go, j'ai pu faire du concret euh, et me plonger dans, dans des, des soucis qu'on voit pas quand on se fait des, des Hello World. Donc, c'est rien que pour ça, c'était intéressant. Donc, j'aurais à avancer sur le projet lui-même. Je vais rajouter la partie euh, faire une petite CI pour avoir des, des binaires et faire des releases. Donc, je vous, je vous tiendrai au courant pour euh, vous dire où j'en suis exactement. Euh, malgré tout, on peut déjà utiliser. Euh, Donc, si on le lance juste comme ça, ça affiche juste le, le dino. Euh, J'utilise, euh, bien entendu, je vais vous montrer là, hop, euh, pardon, dans le code principal. Donc, j'encapsule je, juste dans le main comme ça, puis je voulais jouer avec des packages et tout, je ne sais pas encore comment je vais articuler. Euh, J'ai déplacé ça, justement, c'était un truc à découvrir, la façon dont on déclarait les packages et tout ça. Euh, hop, je vais peut-être zoomer un peu, toujours pareil. Je vous remets un coup de chat, mais ça va. Il fallait que je le décale peut-être. On verra. Faut que j'y retravaille cette histoire de chat. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir vous le mettre. Ou faire une fenêtre permanente. Je ne sais pas d'ailleurs. Pendant l'émission aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, laissez euh, donc, retrouver le système que j'avais avec Streamlabs ou de temps en temps, quand il n'y a plus de messages actifs, hop, on enlève euh, purement et simplement le chat, mais ça couvre quand même une partie de l'image. Ou carrément euh, découper euh, l'écran et sur une partie de l'écran euh, faire un... Un chat permanent que je laisse pendant toute l'émission. Dites-moi ce, ce que vous préférez. Donc là, je voulais vous montrer... Euh, tac, euh, donc j'utilise, euh, ça nous avons euh, mis ce euh, j'utilise la librairie euh, Cobra, qui permet de piloter tout ce qui est euh, le fait d'avoir des paramètres, d'avoir euh, différentes fonctions, je vous montrerai tout de suite derrière. Ouais, un peu comme dans StreamYard ou les trucs comme ça. Mais c'est ce que font beaucoup de gens. Et en fait, au début, dans ma tête, je me dis, c'est dommage de ne pas maximiser ce que je montre sur l'écran. Mais au final, je me retrouve à zoomer. Euh, parce qu'il faut que les polices de caractère soient assez grosses. Donc c'est possible que euh, mettre le, le chat en permanence sur le côté, ça soit tout aussi intéressant. On fera un essai. Je le mettrai et puis. Euh... On verra, on verra ce que vous en pensez au final. Donc, euh, mon petit dino, là, qui est donc basé sur du, du code en Go. J'ai mes petits packages un peu pour articuler tout ça. Euh, il a, donc, grâce d'origine à la librairie euh, Cobra, il a euh, le fait de publier une aide qui va montrer tous les flags et toutes les commandes qu'il connaît. Donc, vous voyez que là... Euh, euh, par défaut, il a le -h qui diffuse l'aide. J'ai un -m que je vais vous montrer tout de suite, c'est le, le petit paramètre qui permet d'afficher effectivement. J'ai fait une bêtise, oui, j'ai fait une bêtise. Hop, il lui faut une chaîne, sinon ça marche pas. Donc voilà, voilà le petit dino en bas. Je sais pas s'il si est zoomé aussi, ainsi. Hein, ouais. voilà. Euh, J'envisage aussi de faire des, des systèmes d'échelle éventuellement, on verra, mais c'est un peu diffi difficile quand on est en ASCII il faudrait prévoir euh, plusieurs modèles de plusieurs tailles. Euh, L'autre truc que j'ai commencé à implémenter, qui n'est pas fini, hein, c'est ce que je vous avais dit. Je veux, alors là, euh, j'utilise euh, une autre librairie que je vais, je vais aussi pouvoir vous montrer, euh, qui permet de définir une interface vous Voyez dans le terminal. Euh, J'ai découpé une zone à droite, euh, je l'ai matérialisé avec une box, hein, avec un trait, euh, où je vais mettre un menu, et puis la partie où le dino va faire des choses, à définir ce qu'il va faire justement, euh, ça permet d'avoir de... une petite application avec une petite UI, donc je mettrai un menu, on pourra se balader, des choses comme ça. Donc non, moi je mets un haut là avec le haut tout, tout seul, je ne mets pas de H, je ne sais pas dans quelle langue c'est, euh, mais tu as sûrement raison. <laughs> Donc voilà, ça c'était euh, mon petit dino pour vous dire où en était le petit dino. Euh, donc je vous ai déjà mis le lien. Euh, au passage, ça utilise, pour les plus curieux d'entre vous, ça utilise une librairie euh, qui s'appelle... Oups J'ai une boulette là. Je vous ai remis le coup du Discord derrière. Ben, C'est très bien, il n'y a jamais trop. Ah, je reviens vite fait sur ce que disait Kios. Oui, vous avez le chat tout le temps quand vous êtes sur, euh, sur Twitch. Euh, L'idée, moi derrière, c'est qu'après je l'archive et je le mets sur euh, YouTube et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce qui se passe dans le chat aussi, dans la vidéo. Donc je vais je ferai un essai, comme on a dit. <laughs> Donc tu nous conseilles une série euh, où il euh, y a. Euh, <laughs> une série chez Ikea où ils ont un dino en peluche. Bah, écoute, c'est à étudier. Je vais, je vais lancer une mode, euh, j'aurai des dinos et des dinos en peluche, j'en ai trouvé à, à certains endroits. Euh, bref, donc je voulais vous dire, cette librairie euh, qui est une librairie de, de UI dans le terminal en Go, euh, qui n'est pas aussi bien aboutie, et aussi, alors après je suis plus habitué à Python que, que Rich et Textual, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé cette librairie pour euh, m'en sortir. Hop euh, L'autre chose, on va changer un peu de euh, domaine. Je vous mets l'article. J'avais dû le voir. Hein, je suis abonné euh, bien évidemment à l'ami Framboise 314 qui... Ah bah ben voilà, comme ça la page n'existe plus. Super, qu'est-ce qui s'est passé ben voilà, c'était celui-là. Je vais essayer de vous mettre le bon lien. Peut-être qu'il a changé son lien entre temps. Non, si ça vient d'être le bon. Euh, qui est un projet qui s'appelle Aid for Free. Euh, je vous laisserai aller voir le détail de, de qui travaille là-dessus. Hein. Il y a des étudiants qui bossent là-dessus. Ils ont fait je deux trucs. Vous avez droit à Siri qui se met à parler tout seul dans le bureau. Euh, ils ont fait une ED Box, qui est un... Oh putain, mais Siri, je t'ai rien demandé, donc ferme ta bouche. Je comprends pas qui s'active. Euh, C'est une box qui permet à la fois d'avoir du contenu éducatif et euh, bah, de... De servir de, de borne Wi-Fi pour que les élèves se connectent dessus, récupèrent les cours et consultent tout ce qu'il y a dedans. Et euh, ils ont deux concepts euh, qu'ils ont, qu ont avancés il y a la EDBox, donc un petit serveur basé sur une Raspberry, et le EDphone, euh, qui. Euh, J'ai bien envie d'essayer de voir ce qui se passe. Ils installent une, une image un peu, un peu particulière qui est très proche d'une Debian, et ils ont l'équivalent de ce qu'il y a sur le Raspberry. Avec l'avantage donc un téléphone qui va pouvoir se balader encore plus facilement, il y a la batterie dedans incluse, enfin, il y a pas mal d'avantages à avoir sur un téléphone. Et donc j'ai trouvé le, le principe de ces, de ces petits serveurs euh, drôlement intéressant. Euh, tac tac tac. Je vous ai mis le lien, mais je, du coup j'ai quand même vérifié c'est ça. Il y a bien tout ce qu'il faut. Euh, il y a le site de l'association bien entendu qui indique euh, où est-ce qu'ils ont un peu travaillé. Donc essentiellement l'Afrique hein, pour l'instant. Il y a 18 pays où il y a au moins une box qui a été déployée. Euh, ils vous expliquent qu'ils ont aussi... De, en plus de l'ED-Box, ils ont une combinaison qu'ils appellent l'ED-Bag avec un petit euh, vidéoprojecteur et puis une tablette qui se connecte dessus pour piloter l'ensemble. Donc il y a pas mal de trucs. Bonjour, Lady Virani, enchantée. Une petite question, rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Bah écoute, euh, pose ta question, j'y répondrai. Si j'ai envie. <laughs> si, si, vas-y, pose ta question. Je continue de, de vous parler. Donc ED for free, euh, il manque encore un petit peu de de. de on va dire de, de contenu, de détails sur la façon dont il monte l'oreille des Je J'ai pas trouvé la doc complète complète, mais euh, voilà, je trouvais l'initiative très intéressante, donc je voulais vous la partager. Euh, L'autre initiative aussi dont on est venu me parler. Donc. Oui, c'est un peu le principe des, des Pirate Box. Mais les Pirate Box, c'était vraiment pour du, du partage pur et dur de fichiers généralement. Et puis pas forcément du fichier légal. Là, il y a quand même un objectif avec euh, euh, des outils. À, il y a des outils pour du, du e-learning euh, avec du contenu qui est adapté. Et l'autre projet que je voulais vous montrer, c'est euh, Samuel monsieur, euh, monsieur Fun de la plateforme Fun qui m'en a parlé, Samuel Pacou, que je salue, euh, qui m'a présenté un projet qu'il a accompagné avec des, des étudiants de Central Supélec, qui ont fabriqué, enfin qui ont conçu ce qu'ils ont appelé la Jitsi Box. Le principe est tout simple, c'est euh, une boîte, un écran tactile, un Raspberry. Une caméra, on pose ça dans la classe et ça permet d'avoir une classe hybride, distancielle, présentielle. On peut discuter de l'intérêt de, des, des classes hybrides, mais en tout cas, il euh, y a plein de situations où euh, je pense que beaucoup d'enseignants et d'élèves préféraient avoir ça plutôt que rien. Donc, euh, il essaye d'avancer là-dessus avec eux. Et, euh, je trouve que ça peut être une idée, euh, une idée comme une autre si vous voulez contribuer à un projet open source. Je pense qu'ils vont essayer aussi de faire une. Une vraie coque peut-être un peu plus industrielle pour le déployer à plus, plus grande échelle. Donc s'il y en a qui sont un peu dans le design, qui ont des suggestions à leur faire, n'hésitez pas à les, à les contacter. Je vous ai mis le, le lien chez, chez FunMook, mais il y a aussi un GitHub, il y a toutes les coordonnées pour les contacter. Il y a un site qui présente un démo de l'application, du code, tout ça. Alors, Lady Virani, j'ai regardé ta vidéo avec Shaper 3D sur YouTube, j'ai bien aimé et tu en referas. J'aimerais beaucoup en refaire. Je ne suis pas exceptionnellement doué avec euh, la modélisation 3D, c'est surtout que je suis très frustré. Ça fait partie des trucs qu'il faut que je me bouge en 2022. Derrière moi, l'imprimante euh, qui marche un coup oui, un coup non, déjà, il faudrait que je sache si j'ai un problème ou pas un problème avec mon imprimante 3D que j'utilise bien peu, voire pas. <coughs> Moi, l'intérêt de la modélisation, c'est ça, c'est de, derrière de pouvoir faire des pièces que j'utilise. Donc, oui, j'aimerais beaucoup refaire du Shaper 3D. Euh, accessoirement, au sein de la communauté, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. On a B-Box qui est un grand as de, de la manipulation avec Shaper 3D. Il fait régulièrement des boîtiers pour différents, euh, différents projets. quest euh, ce que j'en ai Par exemple, il est en bas celui-là, tiens. Le, le petit projet sur lequel d'ailleurs je reviendrai, où je vous ai montré l'autre fois, où je fais du LoRa maintenant. Avec le keyboard Featherwing, il a aussi un boîtier qui permet d'encapsuler tout ça. Et mais je suis ravi que tu aies appris des trucs que tu ne savais pas, sache que j'en sais encore moins que b -box. Donc euh, je crois que sur sa chaîne, il avait mis une vidéo. Faudrait que je, le, je la retrouve et que je vous, la, je vous la repasse. De temps en temps, il nous fait. Tu pourrais le refaire b -box. Je m'adresse à toi si tu le vois en replay, cette émission. Refais-nous une petite émission, un petit live de temps en temps euh, euh, pour nous montrer un petit peu. Euh, il ouais, faut que je vous retrouve ça, je vais essayer de vous retrouver ça d'ici la fin de l'émission ou si quelqu'un l'a sous la main la chaîne Youtube de, de Bebox il avait euh, fait une modélisation de, comment il faisait une modélisation d'un boîtier si je me rappelle bien, comment il partait d'un modèle comment il plaçait les, les trous pour fixer fin... donc oui c'était intéressant aussi, mais oui Shaper3D je, euh, je suis toujours fan de ce soft qui marche très très bien maintenant sur macOS euh, je crois que la bêta est maintenant valable aussi pour Windows si je ne dis pas de bêtises mais ça reste quand même un truc qui est génial sur un iPad oui, c'est pas dispo sous Linux. Tu as tout à fait raison. Euh... Est-ce qu'ils ont pas vu. Je m'y suis moins intéressé du coup que j'avais plus d'impression de, 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 à faire derrière. Euh... Je ne sais pas si c'est prévu. Je ne l'ai pas vu passer. Maintenant qu'ils ont une version Windows, la question est est-ce que ça passe euh, avec un Wine éventuellement Et surtout, est-ce qu'ils vont aller plus loin que la version iPad Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la version Android En tout cas, une tablette Android, ça ferait l'affaire aussi. Je sais bien, je sais bien, c'est dommage que les éditeurs ne fournissent pas leur soft euh, sous Linux. Après, euh, j'imagine que c'est en termes de, de solité des marchés qu'ils arrivent à capturer. Euh, quand ils ont sorti sur l'iPad au départ, il n'y avait que l'iPad. Hein. C'était tout simplement parce que c'était la meilleure solution avec un stylet qui existait. Euh, maintenant ils ont de manière un peu naturelle débordé sur macOS parce que euh, ça venait de cette liaison avec l'iPad et puis Windows parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait et que ça reste un OS euh, extrêmement extrêmement utilisé, bien trop bien sûr. Mais tu, tu tu peux Olivier, tu peux faire ton petit coup de gueule régulier. Après euh, c'est pas la période où il faut parler politique, mais les gars, on vit dans un système, si vous n'êtes pas content, il faut en changer. Personnellement, j'ai rien contre le fait d'en changer, au contraire, mais euh, la plupart des boîtes sont pas là pour vos beaux yeux, sont là pour faire des thunes, des thunes et encore des thunes. Donc voilà, ceci étant dit, passons au dernier sujet. 13h20, je pense qu'on va réussir à déborder si tout va bien. Et ça tombe bien que tu sois là, Olivier, puisque c'est. Tout ça, c'est parti d'un tweet que tu avais fait l'autre jour avec euh... <laughs> Olivier. Clemens qui a donc une série de repositories. Euh, celui que j'avais diffusé, c'était Prince, Prince uh, JS, qui est une euh, implémentation de la version de Prince of Persia MS DOS en HTML5 JavaScript. Alors je je zoome pas parce que c'est pas nécessaire. On, on ira jusque dans le jeu. Euh, et moi, j'étais curieux de voir. Alors déjà, je me suis bien amusé avec. Euh, et on va y aller tout de suite. Je vais vous montrer, par exemple. Euh, la version liming. Bien entendu, alors j'en je profiter pour vous montrer une feature qui m'était passée à côté, qui a été implémentée. Je pense pendant que je suis j'ai eu mon petit blackout de deux semaines là. Je lance sur euh, Gitpod. Et par défaut, dorénavant, si vous changez pas vos settings utilisateurs, Gitpod vous propose automatiquement de rajouter euh, un Gitpod.yaml qui va faire un npm install et un npm run run start. Et sur ce type de projet, ça donne tout simplement. La possibilité d'accéder, d'avoir directement l'application lancée en fait. Donc je vais aller là où ça vous intéresse, à savoir le jeu lui-même. Donc voilà, je suis dans un navigateur et nous allons pouvoir jouer aux C'est pas beau la vie ça Allez, On va en creuser avec deux, mais avec un ça suffisait. Donc euh, voilà, il a, il a porté tout ça. Euh, donc vous avez. Euh... Je vais enlever pour que. Tac. Temporairement. Et vous avez le choix, donc je vois que tu dis Ono oh Lemmings. Ono oh Lemmings, si je puis me permettre, c'était le, c'était déjà la suite. Donc là, vous changez dans l'URL le version 1 par version 2, et vous avez Ono oh Lemmings qui apparaît. C'est hyper chouette. Euh, vous avez de toute façon le contexte est dans l'URL, c'est-à-dire que si euh, vous pouvez changer le niveau, vous pouvez changer la vitesse, vous pouvez. C'est prévu pour tout avoir dans l'URL, son, son jeu est prévu pour. Et moi je trouve ça génial. Euh, toc, petit. Alors, petit détail, s'il y en a qui savent comment il a fait ça, moi j'ai pas pigé. Euh, on va parler code de seconde. Il a un package.json où franchement il n'y a rien du tout. En tout cas, je ne le comprends pas. Et euh, par contre, il a poussé son package lock où on voit effectivement toutes les dépendances réellement. Voilà. Donc il, il pousse le lock et pas le... Donc je ne sais pas, il y a une pratique euh, qui échappe à ma connaissance. C'est pas très grave. Mais ça vous permet euh, ben voilà, de jouer euh, donc à Lemmings, de jouer à Prince of Persia, que j'ai lancé tout à l'heure, qui marche très bien aussi. Et puis euh, pour que Bibox ait droit à son à sa petite rigolade du jour j'ai pas essayé d'une deux donc je vais le lancer c'est celui là qui va pas fonctionner on va voir est ce qu'il y a des commandes particulières sur celui-là Eh bien on va voir ce que ça donne hein. on va voir ce que ça donne c'est déjà lancé ça va trop vite gitpod à ah, ça d'une deux alors mais à ce que je vois, nous pouvons jouer, on va jouer l'Arconen. Du coup, je ne sais, pas... sais pas si je vous ai laissé le son. J'ai pas mon mixeur de son. Je sais pas si vous avez le son. Il y a le son hein, du jeu. Donc, on pense que ça branche. Et, euh, ça a l'air d'être de, de, tout à fait euh, fonctionnel. Ah, ouais, ouais. Excellent! Donc euh, vous avez le son du jeu, super! J'espère que vous n'en avez pas trop parce que j'ai mon mixeur qui s'est barré de l'écran. Mon écran est trop petit visiblement là en ce moment. Il faut que je me refasse ma config où je vois quand même le... le le mixeur son pour que je sache ce que vous avez dans les arrêts. Mais visiblement, oui, ça fonctionne. Hein. Euh... Donc, comment il fonctionne? C'est clic droit, clic gauche. Je suis obligé de lui faire un move. Ouais. Enemy units Donc, comment vous dire Vous avez le lien. Euh, il suffit d'utiliser euh, soit, alors, je vais être gentil, soit GitPod. C'est facile. Il suffit de créer sur le, cliquer sur le bouton GitPod. Mais il a quand même euh, mis euh, des versions euh, accessibles en ligne ou en local, ça prend deux secondes à récupérer, de faire npm install et npm start. Il n'y a, a pas de technique autre que ça, et vous accédez à votre, avec votre browser. Donc euh, j'espère que vous allez bien, 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 bien passer du temps aujourd'hui avec ça. <laughs> c'est ce que je vous souhaite, en tout cas. <coughs> non, je n'ai pas parlé de OpenLara, effectivement, qui est aussi, mais ça, ça c'est encore autre chose. C'est quelqu'un qui porte le qui porte Lara Croft sur sur GBA. Mais on peut on peut le retrouver. Oui bien sûr que je l'ai vu passer. Évidemment. Open Lara GBA. Est-ce que ça va fonctionner ça Je vous retrouve ça. Bien sûr. Allez, c'est reparti. Tiens, d'ailleurs, Beebox, tu n'étais pas là. Allez, prenez votre page TikTok. de pub parce que visiblement. Je sélectionne des recettes sur le site ouais, et avec je Bray, ça va bien, mais avec Firefox et pas mis en gé... pub. Donc voilà, hop, c'est pareil. Vous devez avoir du son, peut-être même trop. Je sais qu'il a. Donc il a, euh... j'ai pas regardé comment il l'avait codé, mais oui, ça a pas mal circulé sur Twitter, j'imagine. Non, je suis pas sponsorisé par Kitok, non. <laughs> mais ouais, c'est la pub. Euh... Que je vous dise je, je pense qu'il est temps que j'installe un Pi hole directement sur ma sur ma connexion comme ça il n'y aura plus de pub dans la maison mais voilà voilà quelqu'un qui ma foi euh, semble se démener pour euh, pour faire quelque chose qui a l'air sympa je sais pas s'il va jusque dans le jeu oui voilà je, je, je peux vous mettre le lien mais vous pouvez trouver hein, c'est OpenLara gba Évidemment, copier-coller entre mon navigateur et. Tac, voilà. C'est pas mal ça. Hein Donc, euh, pendant que je vois que B-Box euh, s'enthousiasme, tout à l'heure, tu as. Euh euh, tuc tuc tuc, que je remonte plus haut tu as Lady Virani qui a posé des questions sur Shepard Trades, alors si j'allais refaire des émissions, donc euh, visiblement ça plaît donc effectivement je pourrais en refaire et euh, si tu as euh, sous la main Bbox, n'hésite pas à mettre le lien sur euh, la petite émission que tu avais faite où tu faisais une modélisation d'un boîtier que j'avais trouvé très sympa, j'avais appris plein de trucs donc c'était sympa aussi et nous avons notre euh, encyclopédie du jeu vidéo C qui intervient à Bon escient en lui disant que Open Lara était à la base un projet de réimplémentation en C du moteur de Tomb Raider. Non c'est bien cette taille la GB1. Hein si, si, si tu veux, pour, pour échelle, on est bien d'accord. C'est bien ce format-là. <laughs> Mais euh... Oui oui avais dû tweeter le lien aussi, euh... oui Olivier, c'est fort probable. Eh bah tu vois. Euh... Exactement, Bibox, tu vois, c'est ce que. C'est ce que Lady Virani disait. Des émissions sur Shepherd 3D, elle trouve ça intéressant, donc n'hésite euh... pas à refaire. On, on relaiera sur le Discord et tout. Euh... C'est toujours intéressant. Moi aussi, j'adore ma GBA Rose. Je l'ai choisi exprès. Et euh... est-ce que j'ai la suite là c'était pas comme ça au départ, hein. je l'ai changé bien entendu. J'ai acheté la coque qui allait avec tout ça. Je vous rappelle pour une seule et unique raison la nostalgie de Verali. Je n'ai pas codé la version GB1. J'ai participé un tout petit peu au côté sonore très légèrement. Hop. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous montrer. Ah ben bah très bien, je vois qu'Oli a mis le lien sur le projet lui-même. C'est une très très bonne idée ça. Tac. Alors, on va finir avec celui-là, tiens. Je le mettrai aussi dans la... dans les liens, la vidéo YouTube. Ça c'est la version dans le browser, c'est ça. Et le GitHub qui va avec. C'est pas beau. C'est pas beau, tout ça. D'accord. WebGL. Ça le fait, non? Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. J'ai malheureusement. Euh, je me suis fait voler ma GBASP euh, dans mon cambriolage. Et j'en ai pas racheté depuis. J'ai racheté une GBA, j'ai craqué, mais j'ai pas, pas racheté de GBASP. Non, le vrai truc dont je suis jaloux, euh, Dame Scrali, tu le sais très bien. C'est ce que tu as reçu ce week-end. Il hein y en a qui reçoivent des, des Atari. Euh, des que ça soit des, des ST ou des Falcon. Si j'avais un peu de place, j'avoue que je, je m'y remettrais bien aussi à refaire du GFA basique. Ça le ferait quand même. Du coup, j'ai regardé ce qui se faisait et tout, mais même dans les solutions, là, un peu les trucs qu'ils avaient ressortis avec des cartes à côté, c'est super compliqué à acquérir, voire un peu cher, donc euh, j'avoue que je ne suis pas allé plus loin. C'était un don sur un parking. Je ne veux pas savoir ce que tu traînes sur un parking. <laughs> mais c'est une, euh, une belle histoire. Mais non, mais non. Ouais, les prix, c'est devenu n'importe quoi, mais on en avait déjà parlé dans une émission. Franchement, euh... enfin, bref. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'offre, la demande, le merveilleux marché du libre-échange en avant, ne nous gênons pas. C'est pas le vintage, c'est la spéculation qui à la cote. C'est même pas un problème de vintage. Je pourrais comprendre qu'il y ait une certaine valeur parce qu'il y a de la nostalgie, mais on atteint des prix où c'est indécent. Hein. Quand j'ai regardé les 520 ST, euh, j'avais un 520 STF. Euh, c'est pas logique de trouver en vente aujourd'hui les 520 STF à 200, 300, 400 euros. Enfin, c'est n'importe quoi. Il pas... faut, faut être raisonnable à un moment donné. Tu pourrais en parler des heures sur ce qui se passe? Tu sais quoi? Euh, tu n'as peut-être pas vu l'émission 2022, mais j'ai dit que j'allais relancer les interviews. Donc euh, une interview euh, vide grenier. Euh, avec toi en invité, euh, voire avec Monsieur Vache, ça pourrait le faire. Ouais, <laughs> ah ouais, ça pourrait le faire. On pourrait mettre dans la liste. C'est qu'elle est tellement prise, mais je suis surpris, aujourd'hui, elle a eu un peu de temps à midi. Donc ça veut dire que des fois, entre midi et deux, on peut peut-être voler un peu de temps à Miss Escrally pour faire une petite interview. Exactement. Ça le ferait. Hop, ben je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. On a commencé à l'heure, on finit quasi à l'heure, c'est pas beau la vie. Je vais même avoir le temps de me reposer 5 minutes parce que je vous cache pas qu'une demi-journée de boulot et. Euh... <coughs> ouais, les restes du Covid sont encore bien là. Faire d'une traite les journées, ça devient compliqué. Et ouais. Si je porte le t-shirt, mais évidemment, il euh, n'y a aucun souci à mettre euh, le t-shirt. Évidemment, évidemment, ce sera une interview thématique. Après, euh, je le montrerai à Pidos parce que euh, je reste en pull quand même ici. Hein. C'est pas qu'il fasse froid, mais il fait à peine 20, c'est un peu juste pour mon rhume. <laughs> On finit pas tout à fait à l'heure, B-Box, tu vois, 34, tout va bien. Alors, mais je suis content d'avoir re recommencé un peu les émissions et puis... Euh, comme, comme promis dans la première émission, on va, on va faire les émissions thématiques. J'ai noté l'émission où on va faire un peu d'explication autour de ce qui se passe dans un téléphone. Euh, on va se faire une émission interview euh, sur euh, le marché du rétro gaming avec, euh, avec Damskrali. Et puis on verra ça. Ouais, on a vite froid à un certain âge. Non, franchement, c'est... Faites pas les cons. Faites, faites pas les cons. Mettez les masques, faites les gestes barrières, tout ça. Prenez pas le Covid, c'est pas... pas top, franchement. Il y en là, qui ont voulu essayé, c'est pas génial. Allez, sur ce, je vous remercie tous d'être passés aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un live du soir, on verra. Que votre semaine soit merveilleuse. Salut, salut.